ça m'est arrivé. Je te remercie. Salut. Salut Chéguiline, à demain. Salut, à demain. Un gros câlin, oui, il va pas. Ah, d'accord. Alors Rita, je te dérange pas? Non, non, j'entre à peine. T'as raison, oui, il est adorable. Ouais? Non, finalement, on n'y est pas allé. Bien sûr, tu sais... Qu'est-ce que vous voulez? Ta gueule! Non! Un cri, t'es morte! Allez, viens! Décroche pas. Cole. Hey. Où ça? Viens tout de suite. J'y aille. Max, je t'en prie, reste. Non, je dois y aller. On en reparlera demain. Négatif, rien à signaler dans notre serveur. Tout est parfaitement calme. Ils ont probablement dû couper par le 114 jusqu'au quartier ouest pour reprendre l'autoroute. Est arrivé? Ah, il est dans la cuisine. C'est pas ton profil le plus flatteur. Tu me fais penser au camion que mon père conduisait. C'était un 38 tonnes, je crois. Très drôle. Tu es très drôle. Tu t'es blessé? Ce n'est rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Un type est venu sans y être invité. C'est assez moche. Il l'a violé? Il a essayé, mais d'après le médecin, il ne serait pas arrivé à ses fins. C'est peut-être pour cette raison qu'il l'a flingué à 4 reprises. Elle est toujours en vie? À peine. Elle est à l'hôpital Nord sous assistance respiratoire. J'ai réussi à extraire ça de la porte du placard.
C'est du 9 mm apparemment. T'as autre chose? Elle avait des marques au poignet. Son agresseur a dû l'attacher. Avec des menottes peut-être. Et puis il y a ça aussi. L'ange de la mort, épargnant les familles israélites. Et le genre de cinglé qui a besoin de se conformer à un modèle. C'est elle? Ouais. La jolie brune fille. Où était passé ton ange gardien? Tiens, salut. Salut, Minou. Hélès. Tu as vu ça? Regarde s'il n'y a pas d'empreinte dehors. Passe-moi tout ça au peigne fin. Je commence à me faire vieux pour ce boulot. J'ai pas réussi à fermer l'œil de la nuit. Mon dos m'a fait souffrir le martyr. J'ai bouffé un sandwich il y a bientôt une heure et il n'arrête pas de remonter. Depuis, c'est l'enfer. Et qu'est-ce que tu regardes? L'an dernier, dans cette partie du Texas, on a compté pas moins de 1500 viols et agressions sexuelles. Si on élimine tous ceux qui ont été arrêtés et emprisonnés, ainsi que les cas manifestement dissemblables, si on fait entrer le paramètre détention probable d'un 9 mm, l'un d'eux a même un penchant pour les menottes. Et qu'est-ce que ça donne? Reste 5 suspects possibles. 3 à Houston, 1 à Corpus et un autre ici à Galveston. On dirait qu'il n'a pas perdu son temps, celui-là. J'en ai bien l'impression. Et en ce qui concerne la religion? Je n'ai pas encore trouvé la solution. C'est la première fois qu'il se sert de son arme. Je me demande ce qu'il a poussé. Ah, tu sais comment ces mecs réagissent quand le matériel ne fonctionne pas comme ils voudraient. Et t'espères me faire rire avec ça? Non. Je suis vachement sérieux, au contraire. Et il lui résiste. Alors, de rage, il la tue. C'est pas très nouveau comme histoire. C'est évident, on a l'impression que tu débarques. On n'a pas affaire à des enfants de cœur. J'ai horreur d'être encore debout pour voir le soleil se lever. Bon, je vais me coucher. Tu devrais en faire autant. Dans 5 minutes. Heureusement que le monde ne tourne pas en fonction de ta montre. Il y a belle lurette que je serai mort et enterré. Tu es sûr que ça va, Max? Oui, à tout à l'heure. À ce fameux jour de l'indépendance où nous sommes partis à la Nouvelle-Orléans, un peu avant notre mariage, tu te souviens? Nous avions pris une chambre dans un horrible motel sur les bords de Pontchartrain. Je crois bien qu'on a fait l'amour tout le week-end. C'est décidé, je pars. Qu'est-ce que tu racontes? Je demande le divorce. Qu'est-ce que tu racontes, voyons? Non, je t'en prie. J'ai cogné sur la porte. Je m'en fais, c'est idiot. J'ai une mauvaise journée, je me suis défoulé en cassant la vitre. Ça ne se produira plus. Il y a tout un tas de choses qui foirent dans notre vie. De quoi est-ce que tu parles? C'est à propos des enfants, mais je suis inspecteur, je ne veux pas en avoir. Je ne veux pas leur faire subir ce genre d'existence. Quand on n'arrête pas de se poser ces questions-là, alors il vaut mieux tout arrêter. On ne se parle pas.
tu interroges. Jusqu'au moment où j'en arrive à te dire exactement ce que tu veux entendre. Tu n'es plus qu'une bombe de colère et de haine. Je préfère m'en aller avant que tu retournes cette haine contre moi. Carole, je t'aime toujours autant. Tu ne m'aimes pas, Max. Ni aujourd'hui, ni avant. Personne. Tu n'as jamais aimé personne. L'idée d'un échec t'effraie, c'est tout. J'étais dans les commandos de marine pendant mon service, engagé volontaire. Mais en réalité, j'avais pas d'autre choix. Alors, tu me laisses essayer ou non? Tu m'avais dit que c'était d'accord. Écoute chérie, la R15 est une arme de combat pas vraiment faite pour une jeune fille. Mais t'étais d'accord. Qu'est-ce que t'en dis, Blue? Tu sais te servir de ce type de fusil? C'est ce que tu vas voir. Tu me racontes des histoires, Kai. Ça, c'est tout vu. Tiens, le son trop serré. Ok. Voilà, c'est ça, détendu. Ça ira, tu crois? Ouais. Ah, je t'avais dit que je saurais. Allez, on se retrouve. Alors, joli carton. T'as vu ça? Allez, viens. Oh non. Dépêchez-vous d'envoyer quelqu'un. Il tire la mitraillette. Oh, et il a enlevé une fille. Oh, Dieu sait ce qu'il va faire. Oh, repose-moi. Le docteur Floyd est demandé sur sa ligne. Je ne parierais pas sur ses chances. Et même si elle survivait, il est impossible d'évaluer sa blessure à la tête. Si le cerveau est atteint... J'imagine qu'on ne peut pas encore l'interroger. Pas pour l'instant. Dis donc, ta main doit te faire souffrir. Allez, viens. Laisse-moi regarder ce que je peux faire. J'en ai marre de tout ça. Qu'est-ce qui t'arrive, Max ? Marre de cette vie. Police! Que personne ne bouge! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Alors, peur, nous avons un mandat d'arrêt contre vous! J'ai rien fait de mal! J'ai rien fait de mal! J'ai rien fait! Mais lâchez-moi! Sortez, mademoiselle! J'ai rien fait de mal. Bouge pas comme ça. J'ai rien fait de mal. Tranquille. J'ai rien fait de mal. Tu es partout. J'ai rien fait de mal. Et ça se croit être du flic de compétition. Ça descend à 13 à la douzaine pour réussir à me coincer. En plus, sa manœuvre en faux d'air. Je pars surprise. Alors là, mes poulets, je vais vous dire une bonne chose. C'est que si jamais l'un de vous rapplique chez moi sans prévenir, faites-moi confiance pour le démolir. Je me ferai un plaisir de l'abattre pour le compte. Ouais. Pas de problème, je te rappelle. Ouais, c'est une arrivée, Justin. Je crois que vous connaissez. Vous pouvez me l'amener? J'apprécierai, merci. Lui, qui est-ce? Calvin Alan Harper. Il s'est fait pincer pour détention d'armes par l'anti-gang. Mécanicien auto. Bon ouvrier, apparemment. Deux condamnations. Rien de spectaculaire. Accusation de vol qualifié réduite à simple vol. Super. Et en quoi ça me concerne? Cal a la passion des fusils, des revolvers et des flingues en tout genre. En fouillant sa caravane, ils ont trouvé un véritable arsenal. Tourne pas autour du pot. Il y avait entre autres un Beretta et un Smith & Wesson calibre 9 mm. Ainsi qu'une paire de menottes. Où est-ce qu'il est? Alors, c'est vous le poulet qui dirige ce stalag? Eh bien, je vais vous dire, moi, monsieur.
Je suis innocent, j'ai rien fait de mal. Vos super poulets ont bousillé ma caravane sans aucune raison. Vous allez me payer ça, c'est moi qui vous le dis. Vous êtes un chasseur, n'est-ce pas, Cal? C'est bien ainsi qu'on vous appelle, Cal? Les diminutifs, c'est uniquement pour les amis, pas pour vous. Est-ce que vous trouvez normal d'aller traquer votre gibier avec une arme de guerre? Quelle est la puissance de feu de votre AR-15? 4 coups à la seconde? Alors c'est pour ça tout cinéma. Vous m'avez arrêté uniquement pour avoir bidouillé une arme. Allez, donnez-moi mon amende que je m'en aille. Faut voir. Mais c'est tout vu, oui. Et pour ces 2 9 mm qu'on a trouvés chez vous? Eh ben quoi, j'ai 2 9 mm et alors j'ai un port d'armes. Mais ça, je parie que vous le savez déjà. Il y a d'autres choses. Vous êtes accro aux menottes? C'est de l'humour, lieutenant. Vous aimez les filles? En voilà une question, je les adore. Vous êtes blessé en cognant sur quelqu'un? Vous avez perdu votre sang-froid. Des filles, vous en avez eu des tonnes. C'est Madame Lieutenant qui a fait un écart, hein? Cette alliance-là, vous l'avez depuis quand? Vous les aimez, hein? Enfin, les filles, je veux dire. Je parie que votre femme est magnifique. Je parie qu'elle doit se faire chier avec vous. Vous aimez parfois les faire souffrir, n'est-ce pas, Cal? Où étiez-vous mercredi à minuit? J'étais marié à votre bourgeoise, lieutenant. Je saurais comment la satisfaire. Je répète, où étiez-vous mercredi à minuit? Oh oui, je saurais la peloter jusqu'à ce qu'elle recoule. Je saurais la caresser comme elle en a envie. C'est ce que vous feriez. Et presque tout de suite, elle aura cette sorte de voix léger dans le regard. Vous l'avez déjà vue? Quand elle est au bord de dire « Viens ». Mais je la prendrai pas tout de suite, là, non. Ce sera trop bête. J'attendrai que lui vienne ce doux et sourd ronron qui naît tout en bas au fond de l'abdomen. Et alors là, à ce moment-là, seulement... Max! Là, qu'est-ce qui se passe, lieutenant? Votre ménage fout le camp? Max! Non! Laisse-moi! Oh! Arrêtez! Arrête! Arrête! Mais alors, nom de Dieu! Laisse-moi! Calme-toi! Arrête plus tes conneries! Non, mais qu'est-ce qui te prend? Tu deviens fou! Est-ce que l'entreprise, ça te dit quelque chose? J'ai déjà eu du mal à avoir le certif. C'est ce qui pousse toute chose à dégénérer. Je dois le prendre pour moi? Carole est partie. Elle vient de me laisser tomber. Sincèrement désolé, vieux. T'as rien vu arriver, hein, c'est ça. C'est pour ça que t'as mis une verrouille à Harper. Il allait se faire foutre, Harper. Il m'a tendu un piège, ce fumier, je suis tombé dedans. J'arrive pas à croire que je me sois laissé aller comme ça. Ça commence, les emmerdes, ça y va. Lieutenant, Chéréline Nash, la fille qui s'est fait flinguer l'autre jour. L'hôpital a appelé, elle va s'en sortir. Ça. Ouais. Ça vaut mieux que d'attraper la scarlatine. Sur la 43e. Va disparaître. Je te le dis, on n'est pas prêt de le revoir. Je crois pas. Sa caution, il a pratiquement rien coûté.
S'il fichait le camp aujourd'hui, ce serait quasiment un aveu. Qu'est-ce qu'a dit la balistique? C'est très possible. Mais ils n'ont rien dans l'absolu. T'as autre chose? J'ai pas encore trouvé son maître bottier. J'ai l'intention de leur faire un procès pour ce qu'ils m'ont fait, Monsieur Yarborough. J'étais innocent et Cole le savait. Je vais lui coller un procès au cul. Je veux qu'il paye. Je vais vous défendre, Monsieur Harper. Les procès pour brutalité policière sont très en vogue en ce moment. Il suffit d'ouvrir son journal. Ça ne manque pas. Et plaider l'indignation, j'aime ça. Que voulez-vous? C'est réjouissant. Suzy, vous voulez venir une minute? Tout de suite, maître. Vous savez, vous et moi, on peut gagner beaucoup d'argent. Je demande pas mieux. Voici mademoiselle Suzy Bryant, mon assistante. Enchantée. Bonjour. Dans des affaires comme celle-ci, je travaille au pourcentage. C'est coutumier. Et ainsi, si vous gagnez, je gagne. Vous prenez note, Suzy? La base est de 60-40. 60% pour vous et 40% pour moi. Je trouve que c'est plutôt déséquilibré, Monsieur Yardborough. Vous allez toucher autant que moi, à peu de choses près. Oh, vous en êtes sûr? Avec 60% d'un million de dollars, vous pourrez acheter de merveilleux cadeaux aux plus jolies filles. Non, c'est une excellente offre, je vous assure. Excusez-moi. C'est quoi cette cicatrice que vous avez ici? Comment vous êtes fait ça? C'est un souvenir de petite fille. C'est délicieux. Vous feriez mieux d'écouter avec plus d'attention. Je prends également d'ordinaire une petite avance, disons 1000 dollars. Oui, je trouverai. Très bien, parfait. Nous sommes donc d'accord. Oui, merci. C'est moi. Écoutez, si je vous ai un peu mise mal à l'aise tout à l'heure, il faut m'excuser. Oui, j'étais gênée. Les semaines à venir promettent d'être intéressantes. Vous ne croyez pas? Je l'espère en tout cas. Il avait un pistolet. J'étais totalement terrorisée. C'est naturel. Prenez votre temps. Rassemblez vos souvenirs. Le plus petit détail peut être important. Son regard, ses yeux, ses yeux. Ça va? Mademoiselle, docteur! Docteur!
Un thé glacé? J'ai eu peur. Vous n'auriez pas laissé votre porte ouverte? Avec tout ce qui arrive. Je mords pas, vous savez. Comment avez-vous su où je vivais? Je vous ai suivi. Je peux pas dire que je sois enchantée. Pourquoi? Je devrais me sentir flattée, c'est ça? Eh, tout ce que je voulais, c'était vous rencontrer. Tenez. Les femmes vous aiment, n'est-ce pas? Et je crois savoir pourquoi. Vous avez tué un homme. Enfin, au service commandé. Vous êtes très belle, mademoiselle Bryant. Et vous êtes un arnaqueur, monsieur Harper. C'est assez sucré. Pas à ma place chez vous, hein? Ce serait vrai si vous n'étiez pas si joli garçon. Merci. Mon père craquerait s'il nous voyait tous les deux assis là. Vous croyez que je lui plairais pas? S'il était encore en vie, non. Il détestait tous ceux pour qui j'avais un faible. Vous savez ce qu'il m'aurait dit de vous? Quoi? Qu'il y a un côté sauvage dans vos yeux. Et il m'aurait mise en garde contre vous. Il m'a plus d'une fois mise en garde. Ces recommandations, vous les suiviez toujours? Si elles me convenaient uniquement. Je rentre. Cal? Ouais. Merci pour le thé glacé. Oh, ça, c'est rien. C'est rien du tout. Descends de ta bagnole. Bonjour, Cal. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? Grosse galère sur la 107 km/h. Un poids lourd sur un verset, pas de bip, mais bloqué dans les deux sens. Calvin Harper, je vous arrête pour agression et tentative de meurtre sur Sherilyn Nash. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourrait être retenu contre vous. Mais qu'est-ce que ça veut dire, Cole? Vous avez le droit de prendre un avocat et de lui demander d'assister à votre interrogatoire. Si vous n'avez pas les moyens de payer un avocat, il vous en sera commis un d'office. Allez, embarquez-le. Allez, on y va. Faites attention, messieurs. Je crois savoir que M. Harper marque très facilement. Attention. Ah, mademoiselle Nash. Je m'en occupe. Merci d'être venu jusqu'ici. Je sais combien c'est difficile. Je vous l'ai promis, il n'y en a pas pour plus de 5 minutes. C'est bon. Mettez-vous en rang le long de la ligne. Dos au mur. Le long de la ligne.
Allumez la lumière. Entrez. Sherilyn Nash a formellement reconnu son agresseur. C'est Cal Harper. Entre et ferme la porte. Tu connais Jenkins? Oui. Inspection générale des services, hein? C'est bizarre, je sens qu'on va bientôt me lire mes droits. Le 9 juillet dernier, vous avez interrogé un prisonnier, Calvin Harper. Est-ce que c'est exact, lieutenant? Je crois que je ne répondrai à aucune question, sergent, pas sans la présence d'un avocat. Nom de Dieu, t'as fichu une dégelée à Harper, sous les yeux d'une bonne demi-douzaine de flics. C'est pas de la mauvaise volonté, mais j'arrive pas à deviner ce qu'il t'a dit pour te mettre dans une fureur pareille. Vous êtes mis dans une situation délicate et compromis toute chance de succès dans cette enquête. On a un procès sur le dos et Harper pourrait l'emporter si écoutez, on... Écoutez, Jenkins, sa victime l'a identifié à l'instant. Il sera jugé pour agression sexuelle et tentative de meurtre. J'ai suffisamment de preuves contre lui pour convaincre le plus obtus des jurés. Alors ne me dites pas que j'ai compromis quoi que ce soit. Il paraît que vous avez des problèmes personnels, Max. Comment ça? C'est ce qu'on m'a dit. Oui? Eh bien, je vais vous dire, sergent, vous pouvez... Ça suffit. Prends un peu sur toi, Max, si tu tiens à conserver ta plaque. Quoi qu'il en soit, les choses ne sont pas aussi graves que Jenkins veut bien le dire. N'est-ce pas, sergent? Mais je vais quand même devoir te muter. Où est-ce que tu veux m'envoyer, La mondaine? Les cambriolages? La prévention criminelle. Ben voyons. Tu déconnes, là, non? C'est une de ces saloperies de travail de bureau. Est-ce que tu me vois dans les écoles primaires raconter à des mondes de 12 ans que les flics sont les meilleurs amis des enfants? Soit tu acceptes le poste, soit tu pointes au trauma. Arrête tes conneries. T'aurais pu trouver autre chose. Ça va faire 15 ans que je suis flic, dont 9 de service actif à la criminelle. J'ai été félicité à 7 reprises, sergent. Pas un accroc dans mon dossier. Et il n'y a aucun de mes collègues d'actifs qui puisse en dire autant. C'est ce que j'ai pu t'obtenir de mieux. Cal, cette femme vous a identifié. Elle vous a reconnu deux fois. Eh ben, elle s'est trompée deux fois. Où étiez-vous la nuit où ça s'est passé? J'en sais rien, j'étais sorti. Oh, c'est vieux. Personne ne vous a vu? Bon, j'ai pas d'alibi si c'est ça votre question. De toute façon, il n'y a absolument personne dans mon entourage qui viendra à la cour pour me sortir de cet enfer. Je ne recherche pas ce genre de compagnie. Puis d'ailleurs, on s'en fiche, c'est un coup monté, cette histoire. Non, vous voulez dire que c'est Cole? Mais oui, ils m'ont remis en prison après qu'on les ait poursuivis en justice. Mais bien sûr que c'est un coup monté. Écoutez, que ce soit moi ou un autre, ça intéresse qui? J'existe même pas aux yeux de ces funis. J'existe pas, je suis rien du tout. Tous en rang, on se dépêche. Nous sommes passés d'une affaire civile à une affaire criminelle. Ce n'est pas que je ne puisse pas vous défendre, au contraire, c'est ma spécialité. Mais je vais peut-être vous surprendre, Cal. Ouais. Je vous crois. Dépêchons-nous, on a du pain sur la planche. Suzy. Approchez. Je vous attends dehors.
approcher. Je sais pas pourquoi c'est important pour moi de vous dire ça, mais je dois le dire. J'avais jamais vu cette femme, je vous donne ma parole que c'est la vérité. Vous aviez raison l'autre jour. Je suis qu'un arnaqueur, une espèce d'enfoiré aussi certainement. J'en ai fait des bêtises, puis des gratinés. Et parfois si stupides qu'elles m'ont valu des emmerdes, mais j'ai jamais rien fait de ce genre. Regardez-moi, Cal. Hein? Si vous essayez de me mentir, je renierai jusqu'à notre première rencontre. Alors je veux que vous me regardiez droit dans les yeux. Et que vous me disiez la vérité. Je suis innocent. Si je l'avais vraiment violé, vous pensez que j'aurais traîné dans le coin? Puis quoi, Suzy? Pourquoi je leur ai agressé cette femme? Un mois plus tard. Levez-vous. Asseyez-vous. Mesdames et messieurs du jury, avez-vous rendu votre verdict? Oui, votre honneur. Huissier. Accusé, l'avez-vous pour la lecture du verdict? Premier chef d'accusation, agression et tentative de viol. Nous, jurés, déclarons l'accusé Calvin Harper coupable. Deuxième chef d'accusation, tentative de meurtre. Nous, jurés, déclarons l'accusé coupable. Se retirer. Mais 35 Niabo, il nous faut fixer le montant de la caution. Approchez, s'il vous plaît. Je suis innocent. Il faut faire quelque chose, là. Je ferai tout ce que je pourrai, mais je serai franc avec vous. Je déteste la tournure que prennent les événements. Vous rentrez chez vous. Cal, j'aurais voulu... Je veux pas de vous ici, entrez chez vous. Votre honneur, mon client est pratiquement indigent. Il vient de passer tout un mois en prison. Le montant de sa caution a été surestimé. Il n'a aucune chance de s'en sortir. De plus, malgré le verdict du jury, nous nous pourvoirons en appel contre la police de Galveston qui a monté un complot contre mon client pour le refuser. Je refuse d'en entendre davantage. Vous n'avez aucun élément qui puisse prouver qu'il y a eu complot. Nous en trouverons. De toute manière, ça n'a rien à voir avec l'affaire à juger. Monsieur le procureur. Votre honneur, comme je l'ai déjà fait remarquer, Calvin Harper est un individu dangereux. T'as pas une cigarette? Interdit de fumer ici. Non, c'est pour tout à l'heure. J'aurai plus souvent l'occasion de griller un clope au soleil. Allez, donne-moi. Bon, d'accord. Non! Tu arranges ton flingue! Viens gentiment aussi, nous qui trinque. Cal! Cal, arrêtez! Vous n'arrivez qu'à vous enfoncer encore plus! J'y peux rien. Je viens de vous le dire, monsieur Yardborough. Je suis innocent! Oh. Allez voir dans les bureaux là-bas.
Tu m'as cassé la gueule. Alors, ça fait mal, hein, connard. Attends-moi, Suzy! Attends-moi! Allez, monte dans la bagnole! Dépêche-toi, vite, vite, dépêche-toi! Tiens, prends le flingue! S'il te plaît, Suzy, prends le flingue! Il a filé, il faut tout de suite prévenir le central! En vertu de quoi et à compter de ce jour, le tribunal civil de Galveston, Texas, prononce le divorce entre M. Max Cole et Mme Carol Simmons Cole. Les avocats de chacune des parties ont-ils quelque chose à ajouter ? C'est une affaire de viol et il aurait été logique. Je vous les ai donné ces informations l'autre jour, non? Bon, on recommence tout à zéro. Vous avez de quoi noter? J'y vais. Environ 1m65. Brun, bleu. Las Cruces, Nouveau-Mexique, 18 mois plus tard. Las Cruces. Winslow, Mesa, Gallup, Clovis. Et aujourd'hui, Las Cruces. Ce salaud a déclaré la chasse ouverte sur tout ce qui est un jupon dans le sud-ouest du pays. Et moi, je suis pieds et poings liés ici à faire mes 8 heures réglementaires. C'est Harper, non? Même scénario, le revolver, les menottes. C'est la 5e fois ces 8 derniers mois. Las Cruces est à un peu plus de 1500 bornes. Je peux y être demain matin. Mais laisse les collègues du coin mener leur enquête. Écoute, tu vas traverser tout le pays et fourrer ton nez là où ça te regarde pas. On va te retirer ta plaque. Il n'est pas question que je glande ici plus longtemps. Mais arrête. Tu me connais, je suis pas du genre je m'en foutiste. Mais cette affaire ne te concerne pas directement. Au contraire. T'as perdu les pédales. Laisse donc les gars du coin se charger de l'enquête. Lâche-moi, bordel. D'accord? Je te remercie de te faire du souci pour moi, mais ça suffit, lâche-moi les baskets. Oh, d'accord, d'accord. Imaginons que tu le retrouves. Tu vas à Las Cruces, c'est par hasard le coup de peau du siècle, tu retrouves ton bonhomme. Tu fais quoi? J'ai bien l'intention de me donner une nouvelle chance. Tu le crois sincèrement? Dès l'instant où je lui ai cassé la gueule, ma vie est devenue un véritable enfer. Non, mon vieux, c'est faux, tu te trompes.
Tout était déjà écrit bien avant ce jour-là. Je le sais. Je le voyais. Tu sais quoi? Tu m'as prévenu du danger. Si je devais me planter, c'est moi qui me serais mis dans la merde. Allez, vas-y, démarre. Vas-y, accélère. Ouais. 12 cylindres à plat, arbre à cames en tête, 48 soupapes. Je ne sais pas ce que je donnerais pour en avoir une. De toute manière, je n'ai rien qui vaille 120 000 dollars. Quel pied ça doit être de travailler dessus. C'est lui le gars dont tu m'as parlé, Al? Ouais, Lee McCarthy. Le meilleur mécano que j'ai jamais eu. Je me suis payé un Spitzer de 62 il y a 2 mois. Ah oui? Elle a commencé à avoir de sérieux ratés. Uh-huh. J'ai bien essayé de réparer, mais impossible. Tu fumes? Non, merci. De toute manière, le moulin chauffait trop. J'ai peur d'avoir niqué un cylindre. J'aurais voulu que tu jettes un œil. D'accord, entendu. Je tâcherai de le regarder cette semaine. Vous voulez m'excuser une minute? T'as une seconde, il faut que je te parle. Ouais, quoi? Approche. Quoi? Voilà. J'ai oublié de te dire. Je dois conduire Suzy chez le docteur cet après-midi. T'es chié, toi. Tu devais réviser la Corvette. J'ai dit au moment que ce serait prêt à 5 heures. C'est sérieux, il faut que j'y aille. Oh. Écoute, comment dire? Non, c'est hyper important, je crois. Tu connais Suzy. Le docteur a dit que c'était possible ce coup-ci. Ouais. Et je sais ce que c'est. Allez, c'est vas-y. Génial, je te remercie. Tu seras là demain, hein? Ouais, comme d'habitude, à 8h. Je suis à bout, chérie. Tu devrais t'asseoir. Il y a un truc que je voudrais te montrer. Tu y es? Tu vois là? T'as téléphoné à ta mère il y a une semaine. Mais t'as perdu la tête? Mais est-ce que tu te rends compte? C'est de la folie, elle est sûrement sur écoute. Ta mère doit être sur écoute. Ils sont capables de tout, chérie. Il y a un flic qui s'est pointé ce matin au garage. C'est peut-être Cole qui l'a envoyé. Bon, allez, allez. Faut que je boive quelque chose. Cal! Quoi? C'est ton imagination qui s'emballe. Qu'est-ce que je dois faire? Tu vas venir t'asseoir à côté de moi. Viens. Assieds-toi là. Oh, chérie. C'est fini, ils t'ont oublié maintenant. Mais si j'en suis sûre, tu n'es qu'un numéro dans un répertoire d'ordinateur. Ils ont laissé tomber les recherches. Tu ferais bien de laisser tomber à ton tour. Mais ces crétins, j'arrête pas de penser qu'un de ces quatre. Quelqu'un franchira cette porte et ce sera ce flic à la manque. Il va débarquer tôt ou tard, chérie. Il va me jeter en prison, je le sais. Non. J'en suis sûr. Il va venir me chercher. Bon, chérie. Je ne veux pas aller en prison. Non, Je t'aime, tu sais. Je t'aime. Oui. Je veux pas te perdre. Florence Martin. Et vous, qui êtes-vous? Inspecteur Cole, madame, j'aurais souhaité vous parler. Je conçois que vous hésitiez à me recevoir chez vous, madame, mais c'est très important. Qu'est-ce que vous me voulez? Je connais votre violeur, madame. Il y a bientôt 2 ans que je le suis partout à la trace. Je ne veux pas lui laisser l'occasion de recommencer.
Il y a eu 4 autres viols dans le sud-ouest avec le même scénario. J'en sais rien. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens plus trop. Je voudrais ne plus y penser. Je vous soupçonne d'être encore sous l'emprise de la peur. Ça, vous avez fichtrement raison. Si vous aviez subi tout ce qu'il m'a fait subir, vous auriez peur aussi. Est-ce que vous pourriez tout me raconter depuis le début? Pourquoi moi? Je ne suis pas sa seule et unique victime. Il a violé 4 autres femmes entre ici et Galveston. Pourquoi moi plutôt qu'une autre? Vous êtes la plus récente. Quel honneur. Écoutez, il y a un seul individu qui s'appelle Cal Harper, en liberté Dieu sait où, et qui doit vivre sûr de son impunité, un visage découvert. Je veux l'arrêter. Vous devez sûrement le vouloir, vous aussi. Oh non, vous faites erreur, lieutenant. Je déteste ce qui s'est passé. J'aurais voulu que ça n'arrive jamais, mais ça m'est arrivé. Tout ce que je veux, c'est qu'on me laisse tranquille. Je comprends, mais peut-être serait-il bon de l'empêcher de recommencer. C'est fou, ça. En quoi est-ce que moi, je suis responsable? C'est moi qui l'a violé, ce type. Oui. Qu'est-ce qu'il vous a fait, à vous? 18 mois, c'est que ça fait un sacré bout de temps, non? C'est bizarre que vous soyez là. Vous manquez de viol à Galveston? Non, madame. Ouais. Impossible de trouver un flic quand on en a besoin. Et une fois que c'est fini, il nous en sort de partout. Est-ce que vous pourriez tout me raconter depuis le début? Il portait des jeans. Il a menacé de me tuer si je criais, puis il m'a violée. C'est tout. Et maintenant, laissez-moi, voulez-vous? Vous connaissez le chemin. Tenez, je vous en laisse un ici. Merci, madame. Il n'est jamais venu ici. C'est rien. Ne t'inquiète pas pour ça, Jimmy. Dis-moi, qu'est-ce que tu lui veux, à ce dur à cuire? Il me doit de l'argent. Oublie ça, c'est sans importance. Tu en veux un autre? Non. Vous vous y connaissez en armes? Ça dépend à qui j'ai l'honneur. Si j'avais un fusil, un semi-automatique, une Kalachnikov ou un AR-15 que je voudrais faire modifier en automatique intégrale, je demande ça à qui dans le coin? J'aurais une petite question. Je n'ai plus rien à vous dire. J'espère que vous n'êtes pas venu pour faire des histoires, hein. Laissez tomber. Pourquoi est-ce que vous m'embêtez? Que venez-vous faire ici? Je vous ai suivi. Quoi? Eh bien, cessez de me suivre. J'en ai plus qu'assez. Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire, alors au revoir. Vous voulez tourner la page comme si de rien n'était? Je comprends très bien, mais c'est une grossière erreur. Oh, un flic freudien, il manquait plus que ça. Vous devez faire face. Je vous suis reconnaissante de votre aide, docteur, mais sans faute. J'ai passé la journée à vous observer. Laissez-moi vous aider. Je sais que vous souffrez en secret. Pourquoi m'a-t-il violée?
J'arrive pas à comprendre pourquoi un homme en arrive à faire des horreurs pareilles. Pour faire mal, un point c'est tout. Il se moque de savoir à qui. J'ai eu affaire à lui. Il atteint l'euphorie en humiliant les gens. Et plus il les humilie, Flo, plus il leur fait mal, plus il approche de la béatitude. Qui me dit qu'il n'en reviendra pas pour recommencer? Pas tant que je serai là. Vous ne devriez pas normalement être là, je suis sûr. Si mes chefs devaient être mis au courant de ma venue ici, je serais mis à pied. J'ai besoin de votre aide. Moi, je n'ai que faire de la vôtre. C'est ce que vous croyez. Il est vital pour nous deux de nous débarrasser de lui. Vous êtes venu ici pour ça, pour interroger le patron. Si j'arrive à ce qu'il me parle de celui qui a bricolé le fusil, je pourrais peut-être alors remonter à Harper. Mais seul, je n'ai aucune chance. Je vous en prie. Aidez-moi. Je ne veux voir personne dans mon atelier! Vous voulez arrêter ce raffut? C'est Jimmy Silvernail qui vous envoie, hein? Lee McCarthy! Vous êtes sûr? Vous me cherchez ou quoi? Puisque je vous dis que c'est lui. J'ai fait une modif il y a 6 mois environ. Un 9 mm Peretta ou peut-être bien un Smith & Wesson. C'est l'histoire ancienne, je sais plus. D'où est-ce qu'il est? Il bosse comme mécano dans une boîte du côté de Deming. Il fait surtout des belles bagnoles. Comment s'appelle le garage? Le patron est allemand, un certain Kreutzer ou Krotheim, je sais plus. Cherchez un peu. Bonjour la personnalité. Quant à mon père, il était shérif à Corpus Christi. Il s'est fait tirer dessus lors du braquage d'une épicerie. On l'a mis dans une chaise roulante pour le reste de sa vie. Marié? Je l'ai été. Et vous, marié? J'ai manqué le coche à 2 reprises. Une fois, on avait même fixé la date. Un garçon gentil, attentionné, qui aurait fait le bonheur de n'importe qui, sauf le mien. Mes études m'ont poussé à l'Est. Je n'aurais jamais pensé revenir ici. Vous êtes revenu pourquoi? Ma mère nous a quittés il y a 2 ans. Je suis venue pour l'enterrement et je suis restée. Je ne suis pas une vraie fumeuse. Vous savez, ma mère, elle me manque, si vous saviez. Je vous demande pardon. Je comprends. Attends ici. Restez ici. Max, merci. C'était pas grand-chose. C'était beaucoup. Merci. T'as un problème, mec?
Lee McCarthy. Il est sorti. Où il habite? Je cause pas aux gens de ton espèce. Oh. Ah. Tu vas peut-être faire une exception. Son adresse est dans le bureau. Vous voyez la maison là-bas avec la télé allumée? Eh bien? Dites-leur que vous êtes avec les flics, qu'il faut absolument que vous téléphoniez. Faites le numéro de police secours, expliquez-leur qu'un confrère est en danger à cette adresse. Mais rien ne vous oblige à y aller. Faites ce que je vous dis. Vous êtes ici pour le tuer. Que s'est-il passé entre vous, Max? Après que mon père s'est fait tirer dessus, il a arrêté de parler. Et de lui-même a cessé d'ivre. Ce n'est pas la balle du revolver qui l'a achevé, c'est la chaise. De rester assis dans cette saloperie de chaise. Je t'ai promis que jamais, quoi qu'il arrive, je ne laisserai qui que ce soit me diminuer. Je ne deviendrai jamais un infirme. Et l'arrestation de ce gars va vous permettre de vous sentir mieux? Je n'en sais rien. Je ne sais même plus comment c'est de se sentir bien. Venez, allons-en.
Salut. Salut. Ça y est, je l'ai vendu. À qui? Oh, un type de Las Vegas qui a toujours voulu avoir une Corvette, c'était son rêve. Il a payé en liquide, $10,000. C'est la quatrième voiture en 6 semaines. Ouais, on a presque $20,000 de côté dans notre bas de laine. J'ai toujours su qu'on s'en sortirait. Ça commence à faire un paquet. Avec ce que je rapporte, on finira par devenir respectable si on se méfie pas. Oh, ça m'étonnerait, ma puce. Je suis fière de toi. Continue cet idiot. Je continue quoi? De boire comme un trou. L'alcool te rend aigri, Cal. Aigri et méchant. Je veux que tu me promettes de t'arrêter. Tu te rends compte de ce que tu dis? Je peux pas. Ce sont de vieilles habitudes. Dans une nouvelle vie, je n'ai pas envie que ça recommence. Les vieilles habitudes, la nouvelle vie, à qui t'espères faire gober ça? Tout ce que je veux dire, c'est que les choses commencent à changer et que je crois qu'il serait bon de parler. Bon, oui, les choses changent, mais t'as raison. Bientôt, je serai en chemise blanche, costard et ne pape. Je serai membre du Rotary Club et puis le vendredi soir, tu nous feras de merveilleuses tartes au poivre. Ah oui, alors toi, comment tu le vois, l'avenir? Tu nous vois en cavale, vivant toujours en cachette, avec l'angoisse qu'un flic en armes nous tombe dessus au coin de la rue. Eh bien, je n'ai pas l'intention de continuer. Je préfère te quitter plutôt que de te voir détruire nos deux vies. T'as décidé de me quitter? Oui. Si tu me quittes, je te tue. Je te tue, Suzy. Tu n'es qu'un malade, Cal. Je n'ai pas l'intention de continuer plus longtemps. Tout ça, c'est fini, tu entends? Est-ce que tu comprends? C'est fini! Va-t'en. Va-t'en. Alors, surpris, lieutenant? Ou quoi? Content de vous voir, c'est tout. Vous avez l'air dans un état. Merci. Ça vous arrive parfois de vous acheter à manger? Ou est-ce que, comme tous les divorcés, vous n'avez dans votre frigo que quelques packs de bière et une vieille bouteille de tabasco? Je ne suis quand même pas descendu si bas. Allez vous prendre une douche. Je ferai une omelette pendant ce temps. Vous m'aviez dit ne pas l'avoir bien vue. C'est la vérité. Et maintenant, vous vous souvenez? Je suis pas du tout certaine que ce soit Harper. C'est revenu comme ça, par hasard? Non, pas par hasard. Quand j'ai vu son visage, ça s'est débloqué. Max, j'ai fait exactement ce que vous vouliez. J'ai essayé de me souvenir de tout depuis le début, comme vous me le demandiez. Quand je l'aurai pris, vous verrez. Je ferai quoi? Que Cal Harper est votre homme. Pourquoi? Pourquoi est-ce que ce serait impossible que ce soit lui? Parce que j'en suis sûr. Oh, si vous voulez remettre un innocent en prison,
à la place du vrai coupable, c'est que vous avez un sacré problème. Non, c'est Cal Harper le coupable. Est-ce que j'aurais foutu toute ma vie en l'air pour essayer de mettre un innocent en prison ? Écoutez, je n'ai aucune idée de ce qui s'est passé entre vous et Harper, mais je vous le répète, c'est celui-là, je suis formelle. Dites donc, c'est tout de même moi que ce salaud a violé. Je vous l'ai déjà dit au téléphone. Je ne vois vraiment pas pourquoi il faut que j'endure encore tout ça. J'ai fait ce que j'avais à faire. Et c'était à vous d'agir de sorte qu'il ne puisse jamais recommencer. S'est échappé et je vis depuis dans la peur qu'un jour il revienne. Je ne sais pas du tout qui est cet homme. Écoutez, Cheryline, je sais ce que vous ressentez. Je le sais. Moi aussi, j'ai été très perturbée quand j'ai commencé à essayer de me souvenir. Mais regardez, vous devez admettre qu'il y a une énorme ressemblance entre ces deux hommes. Je crois que c'est net. Ah ! J'ai déjà regardé. Cheryline, je sais combien ce doit être difficile, mais il faut essayer de vous rappeler cette nuit. Est-ce l'homme qui s'est introduit dans votre maison ? Non. Est-ce l'homme qui vous a agressé ? Est-ce l'homme qui a tenté de vous tuer ? Mais qu'est-ce que ça change ? Je ne veux pas revivre cette horreur ! Oh là là, mais c'est fini, chérie, c'est fini. Ça va passer. Je ne veux pas revivre cette horreur. Elle a reconnu d'après photo, et ensuite parmi d'autres suspects. Soyons sérieux, cette pauvre fille avait une balle dans la tête. Qu'est-ce que vous espériez, Max ? J'ai pas à me reprocher mon travail. Il n'y a pas que moi, il a été condamné par le tribunal. Cette fille a tout simplement fait une erreur. Chaque élément de l'enquête l'accusait. Vous avez tous fait une erreur. Quatrième faute personnelle. Il ne peut plus se permettre maintenant la moindre erreur. Deux lancers francs pour Epson. Le premier passe, le second deuxième partie de l'avantage du problème, ce qui mettait le score à 48-52 en faveur des visiteurs. Et le deuxième lancer franc est passé. Smith relance très loin devant pour Picoff. Webster, Clark, Isabelle s'occupe très très bien et très vite. Webster qui tire de loin, mais non ! Oh, c'est heureux Webster aujourd'hui. Il n'a pour l'instant marqué que 6 points. Mais c'est de la distribution qui nous déçoit. Si vous avez trouvé un jeu plus ouvert, vous pouvez avancer. Oui, très joli, formidable. Décidément, Johnson met la loi à son panier. Et c'est reparti pour Cuero, qui apparemment a décidé de passer. Écarte pas le ballon. Garde pas le ballon. J'ai pris un café. 45 cents. Garde la monnaie. Tu crois que je t'ai pas vu ? C'est un peu tard maintenant, toute l'équipe de Cuero a eu le temps de revenir en défense. Hey Lenny, appelle la police. S'ils veulent remonter au score, ce n'est pas comme ça qu'ils réussiront. Affirmatif, on a été prévenu par téléphone. Oh, regardez ça. Ton arrestation place au carbone est téléchargé. Ça remet ciel et terre pendant deux ans sans résultat et il se fait serrer comme ça. J'aurais cru que tu m'embrasserais sur la bouche en l'apprenant. Tu es sûr que c'est lui ? Ce sont bien ses empreintes, il n'y a pas le moindre doute. C'est ton homme. Tu peux exprimer ta joie en sautant dans tous les sens, c'est le moment. Léo ! Faire chercher un dénommé Terry Gifford. Toujours par Mons et par vous avec une bande de prédicateurs. Et alors ? Il ressemble comme deux gouttes d'eau à Harper. Un casier gros comme l'annuaire. Dernière adresse connue, ici, à Galveston. Tu voudrais dire que... J'ai besoin d'aide. Je crois que c'est lui. Qu'est-ce qu'on attend ? Oui.
Mary Gifford? Police, ouvre la porte. On essaye la manière forte. Vas-y. Le placard. Il porte les mêmes Santiago que Harper. Il était dans le tchèque ici. Et c'est en récent, Max. Apparemment, il travaille sur les docks. Ça. Ça m'a tout l'air d'être le bon. Ça ne pouvait pas durer, ça se passait trop bien. Cette saloperie de cap s'est complètement entortillée sur lui-même. Ouais, bah va falloir les entortiller, mon gars. Et plus vite que ça, on est drôlement à la bourre. Hein. Facile à dire, hein. C'est un coup à se péter un bras, ça. Bonjour, messieurs. Lieutenant Cole des services de police de Galveston. Nous essayons de mettre la main sur un suspect. Est-ce que vous avez vu cet homme dans les années? Je l'ai croisé tout à l'heure sur le quai. Il montait sur le bateau là-bas, il y a une heure. Je vous remercie. Allons-y. La récréation est terminée. Allons-y, tout le monde au boulot. Là-bas, regarde-le, il s'enfuit. Quand tu veux. Terry Gifford. Pose ton arme et tout de suite! Tends-toi! Les mains sur la tête et pas de bêtises! Viens par ici! Passe le bras entre les barreaux!
Les? Oui. Où est Guy Ford? Attaché à un transpal. Ah, oh, si c'est pas malheureux. Je l'ai acheté chez Klein, à 2 pièces à $90 avec la cravate. Est-ce que tu souffres? Ouais, ça brûle, qu'est-ce que tu crois? C'est quand même du 9 mm. Il vaut peut-être mieux aller tout de suite à l'hosto. Vous te levez? Ah! Max, attendons plutôt l'ambulance. D'accord. Bien sûr, bien sûr. Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et rassemblées en un recueil, elles sont comme des clous plantés, donnés par un seul maître. Du reste, mon fils... Il est en communion avec Dieu, c'est ça choses. On ne finirait pas... La peur a été transférée il y a une demi-heure. Et beaucoup d'études est une facture. Je passerai le voir là-haut. D'accord. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit tout homme, car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. L'Ecclésiaste, c'est bien ça? Vous connaissez le livre? Que dit le Seigneur quand vous tirez sur mon collègue? Il a donné sa vie pour nous racheter. Pratique. Vous les reconnaissez, Guy Ford? Je ne vous suis pas, lieutenant. Ce sont celles de Sherilyn Nash. Est-ce que je la connais? Vous avez essayé de la violer en l'attachant avec ses menottes. Et j'ai lu que grâce à vous, le coupable a été arrêté. J'ai lu également qu'il avait réussi à vous filer entre les doigts. Il se serait tiré à l'ouest. Il fait l'objet d'un avis de recherche pour d'autres viols, non? Vous êtes passé chez Sherilyn Nash ce jour-là pour essayer de lui vendre une Bible. Vous avez décidé d'attendre son retour la nuit tombée. Il faisait très chaud. Elle avait laissé la porte entrouverte. Vous la regardiez à travers la fenêtre. Elle était seule. Ça ne vous est jamais arrivé, lieutenant. Ça ne vous est jamais arrivé dans la rue de croiser une jeune fille et de vous demander comment ce serait de la prendre et de lui faire faire tout ce que vous voulez en claquant dans votre rue. Vous avez déjà envoyé quelqu'un en taule pour ce viol. L'emmerdant pour vous, c'est que, sans rien de nouveau, l'affaire en reste là. Vous faites erreur, Terry. Nous avons votre Bible. Vos Santiago, vos menottes, le pistolet. Vous allez prendre 30 ans facile, peut-être plus. À quoi bon alors continuer à vivre avec ces remords, hein? Dites-moi la vérité. Soulagez votre conscience. Oui, je lui ai tiré dessus. Et alors? Il y en a eu d'autres, vous savez. Oh, il y a eu cette très belle rousse à El Paso. Et aussi une blonde en Arizona. Et l'autre petite de Las Cruces. Ouh, qu'est-ce qu'elle était mignonne, la petite brunette. Je l'ai repérée en ville et je l'ai suivie jusqu'à chez elle. C'est ce qu'on appelle le coup de foudre. Sa peau était douce et brillante, on aurait dit du satin. Et j'ai fait en sorte qu'elle ne me voit pas. Elle ne s'est pas beaucoup défendue. Je crois bien qu'elle s'est régalée. Non, Guy Ford. Elle était loin de se régaler. Elle a détesté ça. Et c'est elle qui vous a reconnu. J'ai toujours su que vous finiriez par passer ma porte, mais comment dire, dans un autre décor. Levez-vous. Allez, debout.
Tournez-vous. Vous êtes libre. Vous avez été disculpé pour l'affaire Nash. On sait qui c'est. Le procureur a demandé votre mise en liberté. Je comprends rien. Je me suis trompé. Vous êtes libre. Je sors et ça y est. C'est aussi simple que ça. Ça change quoi, d'après vous, d'être libéré? Je crois que ça représente une énorme différence. Eh bien, vous vous fichez le doigt dans l'œil. Jusqu'au coude. Je peux en fumer une? Vous pouvez certainement croire que votre calvaire touche à sa fin. Je pense que je me suis racheté en partie. Je sais que certaines nuits, vous avez cru que jamais vous ne réussiriez à vous en sortir. Moi aussi, j'ai vécu ça. C'est ce que vous voulez faire passer, hein? Vous allez baisser les yeux, vous confondre en excuses et dire « Quelle terrible erreur nous avons fait là !» Que nous aurions pu certainement être amis en d'autres circonstances, et de cette manière, tout va s'arranger, tout va rentrer dans l'ordre, hein, lieutenant? Ne croyez pas que ça arrange quoi que ce soit pour moi. Écoutez, que je suis ici... N'utilisez plus jamais mon prénom, ni aujourd'hui, ni jamais. Je vais mettre les points sur les i, lieutenant. Vous savez que j'étais pas coupable, mais parce que vous vouliez pas l'accepter, alors moi j'ai perdu tout ce que j'avais. Inutile de venir me demander l'absolution, vous risqueriez d'être déçu. Et de toute façon, ce que vous avez fait, jamais je vous le pardonnerai. J'aurais été surpris du contraire. Dites donc, lieutenant. Vous avez eu tout faux depuis le début sur mon compte. Comment on peut faire pour vivre dans la peau d'un flic aussi dégueulasse? Oui. Excellente question. Comme un service. Il faut vraiment que j'y aille là maintenant. Non, non, c'est vrai, moi je ne trouve pas. Je suis peut-être menti à moi-même. J'espérais peut-être inconsciemment qu'il me pardonne. Mais il vous a provoqué, non? Sans importance. J'ai rencontré des centaines de Cal Harper. Je pensais être vacciné. Il faudrait essayer de vous pardonner. Vous n'avez fait qu'une erreur. Quelles qu'aient été les circonstances, je n'avais aucun droit d'agir comme j'ai agi. J'étais un bon flic. En l'espace d'une minute... tout s'est effondré.
Je sais ce que vous ressentez, Max. Je me suis moi aussi reproché ce qui m'était arrivé. Vous savez quoi? Il n'y a pas eu beaucoup de Max Cole dans mon existence. C'est définitivement terminé entre vous et Harper. Qu'il ne vous ait pas pardonné n'y change rien. Moi, je vous pardonne.